Célébrez la vie, célébrez le sacerdoce. Le Zabé Dieu merci à Simbo. Richard Mukuba et Adalbert Mwehu l'ont réalisé. Ils ont célébré le jubilé d'argent de leur ordination sacerdotale par plusieurs activités. La participation à la messe marquant l'ouverture des célébrations de 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani à la paroisse Saint-Gabriel des Simisimi. La concélébration d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Pierre Wagenya le dimanche 24 octobre 2021. Dans son homélie, l'abbé Mukuba a exhorté les fidèles à être disposés pour le service de Dieu et de l'Église en mettant de côté les intérêts personnels. Wakakala wadada, Bartimeo ni wa imani kabisa, kwa kuwa kutafuta kwanza kuona ili akasadiki. Yeye alisadiki ili akaone yenye aliyotendeka katika maisha ye. Na iwe na sisi na muna moja. Wakaka na wadada, tusitafute kwanza miujiza mbele ya kumuamini Mungu. Tuanze kumuamini na kumupokea Mungu na umutu wetu wote ili akatende miujiza ndani ya maisha yangu. Ndio maana kwengine wanasema, eri wale wanaosadiki bila kuona. Cette journée avait été marquée aussi par plusieurs activités culturelles, dont la course de pirogue, la danse traditionnelle. C'était aussi l'occasion pour l'abbé Dieu merci à Simbo de présenter quelques jours après sa thèse de doctorat en Itro-Kweyure, droit canon et droit civil, thèse nouvellement défendue à l'Université pontificale de Latran à Rome. La thèse portait sur la rémunération des clercs à la lumière du canon des 181 du nouveau code de droit canonique de 1983. Et son application dans l'archidiocèse de Kisangani. Le problème de la rémunération du clergé est donc un sujet très complexe qui continue à susciter pas mal de tensions, qui continue à être le nerf du conflit entre évêques et prêtres dans l'Église de Dieu en général, et pourquoi pas celle de Kisangani en particulier. C'est la raison pour laquelle l'actuel code, au lieu de parler du temporel, d'utiliser le pour plus indicatif pour dire lorsqu'il s'est dédié, cela limiterait le prêtre qui sont seulement en exercice. Et non ceux-là qui étaient en exercice et qui ne le sont plus à cause de l'âge ou à cause de la maladie. Et c'est la raison pour laquelle on traduit par le cours aux âges. Cette thèse a touché une problématique très actuelle, d'où l'intérêt des participants manifesté notamment par les nombres des questions. Vous ne pensez pas aussi que on ne peut pas parler de salaire, on parle de rémunération, simplement parce qu'aucune institution au monde ne peut réussir à payer le travail que fait le prêtre. Disponible 24 heures sur 24. Et le numéro 16 du Christus Dominus, ainsi que le numéro 117 du directoire Ecclesiae Imago, affirme que c'est l'évêque à Kisangani, c'est M. Marcel, qui a l'obligation de pourvoir à la rémunération des clercs.
Nonobstant les recommandations des normes canoniques telles que nous venons de suivre, et sa bonne volonté de les appliquer pour pourvoir aux besoins de ce prêtre, où trouvera-t-il cet argent? A-t-il un coffre fort, peut-être? Moi, je ne sais pas, je suis jamais entré dans sa chambre. A-t-il un compte bloqué ou courant? À la fin de chaque mois, il va, il ouvre, il prend l'argent qu'il donne à ses prêtres qui sont ici. Même fête, mais plusieurs façons de fêter. Pour Archikis Online, reportage et commentaires Yusin Rosalita Kachuva, prise de vue des sons et montage Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque de Kisangani et président de la SANCO, monnerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.